m'appelle Simon Benzekri, ça fait à peu près 35-36 ans que j'ai une galerie d'art. Je fais également de l'encadrement. D'abord, j'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu la première fois ce qu'il faisait. Et ensuite, quand on voit la palette, plus ça allait, plus je m'apercevais que c'était un artiste, un talent fou. J'en ai accumulé littéralement plusieurs milliers. Ça a commencé par des aquarelles et des choses assez commerciales, mais tranquillement, il a commencé à se laisser aller. Et petit à petit, j'ai acheté toute sa production. À l'époque, il avait une petite galerie dans le Vieux-Montréal. Ça s'appelait la Galerie Mage, c'est ça. Et j'avais fait le tour et j'avais été sidéré par la qualité de son travail. Le 129 de la commune qui abrite aujourd'hui les locaux de Apollo, l'agence, était à l'époque autrement plus désorganisé que ça. Il y avait des tableaux absolument partout. Il peignait dans, je pense, plusieurs pièces en même temps, où il était ubiquiste. Et c'était très drôle. Non, absolument pas. Je pense que c'est un grand mot. J'ai acheté ces tableaux parce que je les trouvais beaux, pas pour lui rendre service. Il mérite qu'on achète ces tableaux. C'est un peintre formidable, je trouve. J'ai jamais prévu ce que j'allais faire. Mais quand je découvrais un thème, ou j'entrais dans un thème, mais en fait, je découvre un thème. Les autres peintres l'ont fait avant moi, les thèmes. Les scènes de ville, des natures mortes, des paysages, c'est dans le classicisme de la peinture, ça a toujours existé. Alors moi, je les prends à ma manière. Par contre, ce que je découvrais, c'est la manière à moi de les faire. Le loft, c'est un formidable terrain de jeu qui permettait de tout faire, parce qu'en plus, un loft comme ça, où il pleut dedans, où le plancher est en banane, on peut faire n'importe quoi, on n'a pas à être prudent avec rien. Exactement, il y avait de la peinture, il peignait, voilà. Et même pendant 15 ans, j'ai jamais fait le ménage dans la partie où je peignais, qui était au moins la moitié. Jamais une fois, j'ai jamais passé le balai. Je disais aux gens de faire attention, de ne pas fumer, parce que ça s'empilait au fil des années. Les toiles, les papiers, hein, tu es venu. Et donc c'était un formidable terrain de jeu. Je ne cherchais pas à l'oublier, au contraire, y rentrer, c'était pouvoir jouer. Je suis curieux de voir ces toiles-là retourner, parce que ce n'est pas les mêmes toiles. Ce n'est pas les toiles que j'ai faites là-bas, parce que Simon les a parfois montées avec une presse, montées à chaud, c'est tout un processus. Il les a fait vernir par son assistant, etc. Il les a encadrés, il a soigneusement choisi des moulures italiennes pour aller avec et tout. Dès qu'elle en sortait, j'y touchais plus. Bien que je me revois devant ce mur, il y a des années, on a un vernissage et Simon m'avait dit « t'as oublié de signer une toile ». Alors je lui avais dit « j'emmène ce qu'il faut pour la signer ». Mais j'ai amené quelques couleurs, une palette, un pinceau. Mais je me suis mis à peindre la toile, parce qu'en la signant, je me suis dit, tiens, il y a ça et tout. Une nature morte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, ça et à un moment, lui, il passe, il ne reconnaissait plus la toile. Elle est encadrée sur le mur, et ça, c'est une demi-heure avant le vernissage.